L'aliment brûle-gras à consommer sans modération. Certains aliments favorisent la perte de poids et aident à lutter contre le grignotage. Le meilleur moyen donc pour éviter de grossir est de consommer des produits contenant beaucoup d'eau, riches en fibres et qui sont très peu caloriques. Le but étant de se sentir rassasié pour éviter le grignotage. Nous avons établi pour vous une liste d'aliments que l'on peut manger sans appréhender les kilos en plus. Ceci, à condition bien sûr de privilégier une alimentation adaptée, bien équilibrée et diversifiée. La consommation des choux garantit une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en sels minéraux. On peut manger ces aliments en grande quantité car ils sont peu caloriques. Le brocoli, notamment, est très faible en calories. 100 g de brocoli apporte 34 calories seulement. Il est également très riche en fibres alimentaires, des substances qui augmentent la satiété. Peu caloriques, les fruits rouges sont excellents dans le cadre d'un régime de perte de poids. En effet, en plus d'être riches en fibres alimentaires, ces fruits sont aussi faibles en sucre et ne contiennent pratiquement pas de lipides. Les fraises et les canneberges, surtout, sont les plus pauvres en sucre. Les cerises par contre, peuvent contenir jusqu'à 16 g de sucre 100 g. Elles sont donc à consommer avec modération. Constituée à plus de 90% d'eau, la laitue dans toutes ses variétés est très faible en calories, 24 cal/100 g. Ce légume à feuilles vertes est faible en sucre et riche en fibres alimentaires, qui augmente la satiété. Apportant à peine 50 cal/100 g, la prune est idéale pour perdre du poids. Ce fruit contient plus de 80% d'eau et est riche en nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Les prunes sont aussi très efficaces pour améliorer le transit intestinal et sont parfaites à prendre en collation. L'ananas. L'ananas apporte quelques 50 cal/100 g, il est donc faible en calories. Il ne contient pas de lipides ou de protéines, mais il est riche en fibres alimentaires, ce qui a pour effet de calmer l'appétit et d'éviter le grignotage. L'ananas possède aussi des vertus anticellulites et diurétiques grâce à la bromélaïne qu'il contient. Bien qu'il soit boudé par beaucoup, les SUFs sont des aliments à inclure impérativement dans son régime alimentaire. Ils sont certes caloriques, 155 cal/100 g, mais sont très riches en protéines de haute qualité biologique, lesquelles permettent d'augmenter la satiété. Ils sont donc très rassasiants et préviennent les fringales. Les SUFs constituent l'un des meilleurs aliments pour le petit déjeuner. En plus d'avoir un apport calorique faible, 40 cal/90 g de betterave bouillie, la betterave renferme des taux élevés de fibres alimentaires au fort pouvoir rassasiant. La betterave est toutefois assez riche en glucides, comparée aux autres légumes. Constituée à plus de 90% d'eau, le concombre fait partie des aliments les moins caloriques. C'est aussi un très bon diurétique et détoxifiant, qui nettoie l'organisme et permet d'éliminer les toxines, lesquelles favorisent l'accumulation des graisses. La courgette peut être consommée sans modération en raison de son faible apport en calories, 17 cal/100 g. Riche en vitamines A et C, elle peut accélérer le métabolisme stimulant ainsi la combustion des graisses. Les algues ont un puissant pouvoir antioxydant et luttent ainsi contre les effets néfastes des radicaux libres. Ces ingrédients sont également parfaits pour perdre du poids car ils sont riches en fibres alimentaires et sont très rassasiants.
Les algues sont aussi réputées pour leur capacité à réduire l'absorption des lipides, notamment le cholestérol, dans l'organisme. Grâce à sa composition nutritionnelle exceptionnelle, la pastèque est un fruit qu'il faut penser inclure dans son régime. Elle est pauvre en calories, 30 calories/100 g. Composée essentiellement d'eau, elle possède un effet diurétique, ce qui, associé à un régime alimentaire sain, peut amener à une perte de poids. Les agrumes sont les meilleurs alliés des personnes souhaitant se débarrasser de leur bourrelet. Une consommation régulière permet d'obtenir une bonne dose de vitamine C qui booste le métabolisme, de flavonoïdes qui luttent contre les radicaux libres et de fibres qui augmentent la satiété. Des fruits comme le pamplemousse, l'orange ou le citron permettent aussi de diminuer le taux de cholestérol et d'améliorer la digestion. L'aubergine. L'aubergine possède plein de vertus amincissantes. Riche en eau et en fibres et pauvre en calories, c'est un aliment très efficace pour perdre du poids. L'aubergine contient aussi de la saponine qui réduit l'absorption des graisses. C'est un aliment brûle-graisse par excellence, riche en fibres et en eau, près de 90. Vous devez le choisir frais afin de préserver la plupart de ses qualités antioxydantes. Cet ingrédient permet aussi de lutter contre la rétention d'eau et la cellulite, grâce à son effet diurétique, mais aussi de faciliter le transit car riche en fibres. À condition qu'il ne soit pas préparé avec du beurre, qu'il ne soit pas trop salé ou sucré, le pop-corn peut faire une excellente collation à consommer dans le cadre d'un régime amincissant. Le pop-corn est en effet riche en fibres et faible en calories, ce qui en fait un allié minceur de taille.